Derby amical pour Lausanne et Servette qui ne jouent plus dans la même cour. Servette est en Super League, Lausanne toujours en Challenge League. Les deux équipes étreignent leurs nouveaux maillots qu'ils endosseront à l'extérieur. Et ne les confondez pas, blanc pour les Servettiens, violet pour les Lausannois. Chaud et lourd à Vevey après l'orage. Servette n'est pas tout de suite dans le coup, les Lausannois en profitent. Ndoye sert Silva qui, sans opposition, ouvre la marque. Les joueurs d'Alain Geiger se reprennent très vite et les nouvelles recrues se mettent en évidence. Les deux défenseurs, Michael Gonçalves en provenance de Ville et Vincent Sasso qui évolue au Portugal, à Belenenses. Et en attaque, Varol Tazar, ex-Aro. Aujourd'hui, j'ai une revue totale d'effectifs. C'était l'objectif de voir tout le monde. On a aussi des jeunes joueurs des M18 qui sont là. Donc, on avait la possibilité de voir mon effectif au complet, dont Gaël Ondoa, là, qui est venu, qui a fait ses premières 45 minutes. En première période, les Genevois, grâce à Vutrich sur penalty et Koné ensuite, prennent l'avantage 2-1. Et si Lausanne avait enfin trouvé son serial buteur? En deuxième période, c'est au tour des Vaudois de tester leur de nouvelles recrues. Aldin Turkes, co-meilleur buteur de Challenge League la saison passée avec Rapperswil, qui sans attendre a inscrit le 2 partout et au but le gardien français Moridio. Le principal changement, c'est qu'on se connaît bien. Et puis ça, ce sera un avantage déjà pour le début du championnat. Et puis voilà, je pense qu'on va essayer de jouer un peu plus agressif, un peu plus offensif. Et j'espère que ça va payer dès les premiers matchs. Les jambes lourdes dues à une grosse charge de travail en semaine freinent les ardeurs servettiennes. Puertas n'en a cure et inscrit le plus beau but pour Lausanne. Une deuxième période sans grands enseignements, les nombreux changements empêchent d'imprimer rythme et intensité. Lausanne s'impose 3-2 pour Servette, dernier match test samedi prochain face à Lyon.